Bon, eh bien, nous sommes partis pour une émission qui va durer jusqu'au bout de la nuit. Et pour tenir, il faut avoir la pêche. Alors, on commence avec Tête à croquer et on va découvrir toute une série de bonbons avec une propriétaire qui est aussi disjonctée que la boutique. Oh, watching me, hanging by a string this time. Le charme de ta boutique. Ah bah, t'hésite pas, tu te fais plaisir, tu vois, il y a tout ce qu'il faut pour se faire plaisir. Alors, faut se lâcher, faut pas penser aux kilos, et puis voilà, c'est tout. Ah ben, ne me le dis pas deux fois. Hein, Eh bah, vas-y, alors on commence par quoi? Je sais même pas comment tu fais pour résister, toi, dans une boutique de bonbons. Je souffre. C'est clair. Les enfants, c'est plutôt là. Les adultes, on est plutôt sur les commandes, sur des produits un peu plus spectaculaires. Alors, les commandes, écoute, moi, je m'en suis toujours pas remise de ce gâteau. Pour ton mariage. Pour mon mariage. Pour ton mariage, on fait celui-là. Donc là, il fait 6 étages, mais on peut te le faire 10 fois plus grand. Et on a déjà fait 10 fois plus grand. Le jour où tu as envie de faire une déclaration à ton mec ou à ton amant, eh ben, le grand love. Ça, c'est génial. Le jour où tu t'embêtes au lit, ben, un petit kit à faire à deux. Et puis on le croque à deux, tu vois, après avoir fait une partie de jambes en l'air, très bien. Tu trempes ta sucette dans la cuvette des toilettes. Ouais, ça, c'est complètement gore. Mais on se rend compte qu'il n'y a pas que les enfants qui sont gore. Parce que regarde, tourne-toi. T'as les yeux, ça quand même, c'est carrément juste immonde. On va voir si t'es capable d'en bouffer un d'ailleurs. Regarde, touche, berk. Vas-y, essaye. Et fais gaffe quand tu croques parce qu'il y a un liquide rouge pour simuler le sang. C'est ça le fun. Vas-y, à tes souhaits. Trop fun. Tu veux pas plutôt que je les garde pour des copains? Ah non. Il faut essayer devant la caméra quand même. C'est pas juste. Là, on est en train de m'ennuyer à deux. Un, deux. Lâche-toi. On dirait un œuf. Tu sais, c'est immonde. Alors? Un bonheur ou pas? Ouais. Il paraît que c'est bon. Il paraît que c'est pas mal. Ça se laisse manger, on va dire. Oui, mais c'est marrant, t'as pas la langue prévue. Alors, quand même, pour la petite histoire ici, je sais pas si on en a parlé, le samedi, on fait les anniversaires pour enfants. Et quand on en a qui sont assez agités, façon 7 ans, bien dur à cuire, on a un jeu qui s'appelle Koh-Lanta. Il tire un petit papier et là, c'est l'œil ou le piment. Et le piment, c'est un vrai piment de Cayenne dans un bon bec. Et là, tu vois les petites frimousses blondes qui... Ils mangent, ils deviennent rouges, écarlates, etc. S'ils n'arrivent pas à le manger, ils font perdre 10 points à leur équipe. En revanche, s'ils y arrivent, c'est 10 points. Et là, je ne te cache pas que quand on en a qui sont un petit peu plus corsés, un petit peu plus durs à cuire, on leur fait 2 ou 3 piments. Et là, ça les calme, on a la paix pour toute la journée. Que je me fais une petite dépression d'avance de devoir cuisiner, tu vois, l'ambiance, tiens, on fait des cupcakes, on décore des cupcakes, tiens, on fait des sablés, tiens, on fait des cookies. Ouais. Tu vois, quand tu travailles, c'est pas forcément super évident. Donc, Anne a trouvé la solution géniale de mettre tous les ingrédients pour les cookies à l'intérieur d'une petite boîte. Et il y a juste à rajouter un petit peu de beurre, un œuf au four, 10 minutes après. 10 minutes. Et ça, on l'a créé pour les gens qui aiment manger, qui sont épicuriens, qui aiment recevoir, qui se font plaisir. Mais comme toi, 5h du mat, 4h de l'après-midi, un petit dessert de dernière minute, bah, on n'a pas toujours la noisette caramélisée, le chunk de chocolat au lait. Donc une boîte gourmande du fond du placard et hop, l'affaire est dans le sac. Alors ici, en fait, c'est la partie atelier. C'est là où les enfants viennent le samedi pour faire des anniversaires, des ateliers cookies, des ateliers pâtisserie, des ateliers bonbons. Et c'est là où on a toutes sortes de jeunes têtes délurées qui viennent nous accompagner pour fabriquer les pièces montées. Et là, donc, il y a Héloïse qui pique une pièce montée pour une commande pour ce week-end. Donc, on va, Héloïse, si ça t'ennuie pas, tu vas nous la former, là, la mise au piquage, et tu la frappes si elle se plante.
Dis donc, il faut être hyper minutieux, hein. Ah ouais, c'est un travail d'enfer. Elle est pas bien, elle est pas bien mise là. Il faut vraiment qu'elle soit collée comme ça. Non, et puis Héloïse est une perfectionniste. Ah ouais, d'accord. Faut pas que ce soit travers. Mais attends, ça prend combien de temps là pour faire un gâteau comme deux ça ans. Un peu moins de 2 ans. Je sais pas combien de temps Héloïse, un truc comme ça, quelques heures. Ouais, 2 heures à peu près. Ouais, bien 2 heures. Ouais. Hein. Deux heures. Il faut que tout soit calibré, qu'il y ait le juste espace pour retirer, tu vois, le schtroumpf et pouvoir le mettre en bouche. C'est tellement génial que maintenant j'en veux pour tous les anniversaires de mes enfants, mon anniversaire, ma demande numéro 2 en mariage de mon mari. Ouais, le mari, tu vois, là c'est parce qu'il y a la caméra, donc le mari, donc coucou le mari, tu auras ton gâteau, pas de problème. Tata Croquet te l'offrira. Les récréations gourmandes pour faire après une petite sieste fabuleuse aussi. Pas de soucis, on va se mettre avec le mari. Elle va devenir addict aux cookies maintenant. Ouais.